Neil Armstrong partit en voiture en direction de la base spatiale pour son voyage sur la Lune. Mais quand il arriva, une liste avait décollé et paniqua. C'est là que Buzz Aldrin se montra et lui raconta que ce n'était pas leur fusée. Neil regarda la date tous les matins. Puis quand le moment qu'il rêvait depuis toujours arriva, il était le plus heureux du monde. Pensez-vous de cette expérience sur la Lune? On peut dire que c'est un rêve d'enfance accompli. C'est comme ça que Neil Armstrong devint le premier homme à marcher sur la Lune.